Finaliste en troisième position, Lucky Chopo devant Balvan Cabal, qui est toujours seul en tête à l'entourage de 100 mètres à parcourir. Le Montfort ne rentre pas de terrain, mais c'est Didier Clos qui va s'imposer. Mathieu, tactiquement, j'ai envie de dire, c'était du grand art. Du grand art, je sais pas. Après, je me suis permis de venir courir Eric. C'est ce qu'il fallait faire, je pense. Et ma jument, quand elle a demandé d'accélérer, elle a bien accéléré. Ouais, tu l'as tenu au chaud, t'es venu au bon moment. Enfin, tout s'est super bien goupillé. C'est l'instinct du driver qui est en pleine possession de ses moyens, qui est en pleine confiance surtout. Bah oui, c'est vrai qu'en ce moment, je peux pas rêver beaucoup mieux. Je mène des bons chauds en plus. Non, je vais pas dire que je suis pas content de moi. Hein. J'ai eu un bon parcours. Mais bon, c'est sûr qu'avec une jument comme ça, on peut se permettre de venir au 1000 et de recouvrir et de repartir. Et elle sait tout faire. Et quand elle est repartie justement, quand t'as ouvert les doigts entrée ligne droite, elle t'a plu? Ouais, elle allait vraiment très très vite, elle s'est relâchée un petit peu pour finir. On va mettre un petit débouche pour la belle quand même, qu'elle s'en relâche pas trop. Seb, ça a été une course tactique et bah Eric il s'est fait piéger hein, finalement. Ouais, piégé, mais enfin la jument court bien, il n'y a pas... L'autre est super bonne, donc voilà. C'est le parcours qui a un peu fait la différence, mais pour finir, elle a son compte un petit peu. On voit qu'il faut peut-être pas aller devant comme ça. Peut-être courir caché direct, quoi. Mais c'était bien joué, j'ai l'impression d'être venu devant, parce qu'il n'y avait pas de train, tout le monde voilà, l'attendait exactement. Finalement. Après, David nous a fait un peu de mal, un peu pendant 200-300 mètres en pleine, là. Mais je pense que ça change pas grand-chose. Mais bon, la jument a fait sa course, c'est super. Deuxième, voilà, c'est super. Hein. Oui, c'est toujours les deux meilleurs, généralement. Ouais, exactement, ouais. Après que le parcours, on la rebattra, je pense, un jour, mais voilà. Eric, une course tactique dans laquelle tu t'es fait piéger, c'est assez rare quand même à Vincennes. Bah ouais, hein, le truc c'est que dans la descente, bah, la va Montaval, je peux pas rester dans son dos. Donc je ressors, après Barbane Dioulbé m'en remet une dose 200 mètres après. Ah je dis non, et en plus j'avais vu que Bichet Clos était dans son dos. Et Bodeguita après elle en remet une dose. Ah je dis là arrête. Je dis viendra ce qui viendra, mais cours battu parce que c'est vrai que c'est des super belles courses. Mais il faut mieux être second de cette manière-là que troisième à grand coup de trick. Ouais, et puis devant les tribunes, t'es venu parce que finalement tout le monde t'attendait aussi également. Ouais, j'étais un peu surpris. Bon, bah, on a perdu, mais voilà. Mais la jument, elle ne mérite pas, elle court vraiment super bien. Elle a pas fait une course dure. Critère a amené 3 ans, elle a son mot à dire malgré les mâles. Mais elle devrait être, si je m'applique, elle devrait être la première des femelles. Not sure I understand. Not sure.